blé. Tu peux nous le raconter, c'est ton premier essai de la saison. Ouais, après c'est un peu anecdotique. Hein. Ouais. Je préfère en mettre aucun et qu'on sorte de ce match gagnant, surtout que c'est des fins d'action où tout le monde a fait le boulot avant. A fait le boulot avant pour que j'ai l'opportunité de plonger dans le but. Ce soir ça reste tombé sur moi, des fois c'est sur d'autres, mais c'est. C'est bateau de dire ça, mais je pense qu'aujourd'hui on a réussi offensivement à créer des choses et on se rend compte qu'on est capable de perturber tout le monde. Maintenant, voilà, il y a encore des choses à travailler. Quand tu démarres la saison avec trop de retard, bah forcément tu bosses toute la saison dans l'urgence un petit peu. Et puis quand il faut s'atteler à gérer ces 5 dernières minutes où il nous faut peut-être un cran de sérénité en plus pour ne pas se livrer quand on est à 3 points devant. Voilà, c'est ce qui nous a manqué aussi ce soir, au-delà des coups du destin, parce que je pense que si on compare la construction des essais de notre part et de la part de Nice, après, ça me rappelle, le Nice me rappelle nous il y a 4 ans quand on est monté, où on ne faisait pas forcément les plus beaux matchs, mais par contre, il y a une forme d'opportunisme qui vient quand tu gagnes et tu as de la réussite. Une grosse frustration parce que les mecs avaient vraiment à cœur de sortir un gros match, bon, je vais pas le rappeler par rapport au contexte, mais on avait vraiment envie de faire ce cadeau ce soir, qu'on se bat tous ensemble. Et je crois que dans l'intensité qu'on a mis sur le terrain, on a quand même répondu présent. Voilà, on va continuer de travailler parce qu'on sait que. On doit être suffisamment serein et maître pour ne pas dépendre d'un bras tendu ou d'un choix. Aujourd'hui, c'est la seule chose qu'on peut contrôler, c'est nous-mêmes. Donc, nous, le discours de la semaine, c'est là-dessus. Alors, on entend tout le monde qui dit « Bourque, les pleureuses, machin ». J'aimerais bien qu'ils viennent un peu en interne voir ce qu'on fait. On se concentre sur nous. On sait qu'on doit être le plus souverain possible pour dépendre de rien autour. Voilà, encore de la frustration. De toute façon, c'est une saison, voilà. Mais bon, on va continuer de se battre et rien lâcher.